conformément aux dispositions de la loi numéro 2019-24 du 24 décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées, était équilibré, disais-je, ce budget était équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 1 958 794 400 francs. L'exécution de ce budget courant l'exercice 2022 s'est faite suivant les objectifs de programmation établis. À cet effet, s'agissant des recettes, la réalisation nous a permis d'atteindre des performances en grande masse d'un montant de 458 629 346 francs. Soit 23,43% des prévisions totales reparties ainsi que suit. Les recettes d'investissement, 168 830 499 francs, soit 8,140% des prévisions globales. La recette de fonctionnement, 289 792 888 francs, soit 69% des prévisions globales. En ce qui concerne les dépenses, la programmation prévisionnelle globale était en partie équilibrée avec la recette sous-développée. Le ressort donc de l'exécution globale de celle-ci, c'est autour de l'exécution 2022, s'élève à un montant de 405 925 963 francs. Le parti aussi, les dépenses d'investissement, 241 556 francs, dépenses de fonctionnement 157 millions 355 francs. Ouais. Avancez alors. Thank you.
tout ça, c'est l'espace vert. Il faut multiplier les équipes. Il faut deux équipes ou trois à l'intérieur, deux ou trois à l'extérieur. Puisque le financement ne pose pas de problème. Alors, le financement étant disponible, multiplier les équipes. Non, que dans trois mois, on soit à la livraison. Hein, à la réception. Hein? On voit que bon, ça a évolué, mais là, il y a encore du travail. Hein? Mais c'est du travail. La toiture. Ça demande. Là, j'ai pas vu beaucoup de gens. Prendre deux ou trois équipes, une ou trois équipes par palier. Hein? Ouais. C'est faisable, non? Ouais, madame, vous comprenez français? Vous comprenez mieux quoi? Le français mieux. Ok. On a pris beaucoup de retard. Hein? Il faut accélérer. Il faut multiplier les équipes. Hein? Que le travail avance bien. Hein? Commencer le carrelage avec trois équipes. Une équipe par niveau. Comme ça, en 15 jours, c'est fini. Hein? Une équipe, premier étage, une équipe, deuxième étage, une équipe, rez-de-chaussée. On fait les carreaux. Hein? Deux équipes, une ici devant, une autre derrière. Troisième équipe, espace vert. Comme ça, en un mois et demi, terminé. Sans bricoler. Tu veux harceler, monsieur. Il faut multiplier seulement les équipes. Parce que les ressources sont disponibles, non? Alors. Donc si les ressources sont disponibles, nous on veut, avant la rentrée prochaine, que ce soit disponible. J'ai même signé les deux comptes la dernière fois. Quand ton mari ou ton frère était là, je ne sais pas si ton mari ou ton frère. Donc, j'ai signé les deux comptes pour l'argent. Voilà. C'est très bien. Donc, il faut multiplier les équipes. Mais sinon, courage. Hein, ce qu'on voit. C'est déjà beau, mais ça doit être très beau et on doit finir. Hein? Ça fait beaucoup d'années déjà. Hein? Mais c'est vrai, vous venez d'arriver, mais ça fait déjà beaucoup de temps que vous êtes là aussi. Vous avez fait combien de temps ici? Pas encore un an. Octobre. Donc, beaucoup. Ne lis pas, c'est le préfet. Vous comprenez? Il a un délai. Il a un délai. Il veut son chantier. Dans deux mois, c'est ce qu'il a dit. Donc, il faut, tu ne veux pas recruter beaucoup de gens pour ne pas dépenser beaucoup d'argent. Il faut recruter beaucoup de gens. C'est ce qu'il dit. C'est pas moi, c'est le préfet. Est-ce qu'il y a des enfants ici qui travaillent ici? Les gens d'ici qui travaillent ici? Ok. Il faut les prendre aussi, parce que quand il y a un grand chantier comme ça, il veut prendre la main d'œuvre aussi. Il y a 50 personnes qui travaillent. Il faut monter à 70. 50. Il faut monter à 70. Ok, aussi que ce que vous gagnez reste aussi un peu ici, non? Oui. N'allez pas prendre les maçons à Douala. Il faut prendre ici. Tous les techniciens venus de Douala, Yaoundé. Non, il faut prendre aussi ici. Oui, il y a. On ne sent pas personne, il y a 58 personnes. C'est le technicien, 4 personnes venus. Ok, donc il faut encore prendre 70. Donc on va multiplier les équipes. Oui. Mais ceux qui travaillent, encore les paresseux. Ok, merci beaucoup de courage. Dans 3 mois. Ok, mais dans 2 mois, on doit. Moi, je reviens en visite là dans 2 mois. Pour voir si il y a tout mon enfant. Ok, accélérer, bien multiplier les équipes. Merci. Vous voulez quoi? Donc d'ici lundi, vous projetez un plan. Quand tu prends ça, toi, même, tu vois le bonheur de ce que tu fais. Ne pas poser la question comme ça, bête, et puis ça s'arrête là. N'oubliez pas, hein, on n'est pas là pour lui.
Dire à toi l'amour honneur. Merci de bien. Avec la vérification, Monsieur El Hadj Omar. Présent. Présente. Monsieur Kamwa Om. Procuration. Monsieur Mbo et Kango Raymond. Présent. Madame François. Présent. Madame Evariste. Présent. Monsieur Letoko Mboué Nkanda Julien, épouse Banqué. Pefakwe Farel, fils Nikes Léopold. Monsieur Moussadia Waname Robert. Madame Chouembou Bernadette. Madame Ngassa Berthe, on s'attend que tout continue nos travaux dans le point son mot. Parce que consacrée à l'examen et à l'adoption du compte administratif est révélatrice de la mise en œuvre des initiatives et actions communales sur le terrain. Et aussi de l'évaluation de l'adhésion de nos populations à notre politique de développement appuyée dans un contexte de décentralisation sur le principe de la co-construction. Sur ce plan, des réalisations acceptées aux yeux en santé des personnes qui refusent de voir s'imposent comme les actions de citoyenneté davantage effectives et la donne du sens aux défis multiples de la commune d'arrondissement de Constantin Ier. Entre réhabilitation de routes communales, entretien des forages, intensification de l'électrification sur nos rues ainsi que dans nos quartiers, curage de cours d'eau et de caniveaux, appui aux formations scolaires, construction de salles de classe, dons divers aux associations, il y a dans le cours de notre mandat finissant suffisamment d'arguments pour garder le moral et rester serein devant les invectives qui sont très souvent davantage politiques, inquisitrices, perfides que objectives. À eux seuls, le processus ayant abouti à la proclamation, d'une part, du prix national Fécom, ou d'autre part, du concours de la ville la plus propre, nous ayant placés en termes d'initiatives innovantes et d'actions louables, au rang des meilleures communes, ont montré à quel point la commune d'arrondissement de Constantin Ier n'avait pas eu tort de s'engager sur la voie de la gouvernance locale avec l'implication accrue de la participation citoyenne dont l'importance n'est plus à démontrer. D'ailleurs, la création par le chef de l'État du ministère de la décentralisation et du développement local n'est-elle pas venue témoigner le sens anticipatif qui nous a toujours caractérisés depuis notre élection comme magistrat pionnier de cette commune? Sur le plan institutionnel, cette session tend vers la clôture d'un mandat qui aura une fois de plus un nom de trou, mis ensemble des hommes et des femmes engagés, déterminés, volontaires, chacun avec son bilan sur le terrain. À tous, je voudrais témoigner de ma profonde gratitude pour la cohésion et l'esprit d'équipe dont nous aurons fait montre. Je voudrais témoigner de ma profonde gratitude pour nos idées, pour nos forces, mais aussi pour nos faiblesses, en souhaitant que nos actions restent conjuguées pour garantir des jours futurs heureux, certains aussi, qui dépendra du renouvellement de notre mandat constitutionnellement prévu en 2025. Je parle bien du renouvellement de nos mandats. Parce qu'il n'est pas question que quelqu'un d'autre vienne dans la vie nôtre. Ça, c'est pas dans notre vocabulaire. À chaque veille des renouvellements de mandats, nous avions toujours la ferme conviction qu'inéluctablement, nous serons encore là. Inch'Allah. À la
entame de notre mandat et surtout dans la poursuite de la réalisation des œuvres dont ensemble nous aurons posé les bases. Et à chaque fois, il ne s'agit pas toujours que de jeu de mots. Ou d'optimisme triste. Bien au contraire, il y avait derrière ce vœu une ferme conviction, mais alors, restons toujours sur nos gardes. Une pirogue n'est jamais trop grande pour chavirer, disait quelqu'un. Et un autre disait aussi que bien que le chien ait quatre pattes, il ne peut prendre deux voies à la fois. Fin de citation. Le compte administratif 2022, en examen ce jour, affiche nos différentes déterminations et loue le fruit de divers partenariats noués ici et là. Cela va sans dire qu'il ne s'agit pas ici du bilan incombant à nous seuls, c'est-à-dire à l'exécutif seul. C'est le bilan de l'ensemble du conseil municipal. C'est d'autant plus qu'il ne saurait avoir d'horloge sans horloger, et mieux que nous gagnerons à se vivre ensemble comme des héros pour ne pas périr ensemble comme des idiots. La sérénité observée lors des travaux en commission a montré combien le souci est partagé devrait en faveur des intérêts collectifs. Sur ce, sur le côté du département de Mungu, avec votre permission, je déclare ouvert les travaux de notre session du Conseil consacrée à l'examen et à l'adoption du compte administratif 2022 et qui souhaite plein succès afin que vive la commune d'arrondissement de Consamba Premier. Être très bref sur la présentation de ce rapport, ce d'autant plus que nous avons tous eu le temps de les éplucher, de les regarder, de les commenter, de poser des questions s'il le fallait. Et donc, je conclue à la fin que nous n'allons pas lire ce volumineux rapport qui est devant nous, mais je vais néanmoins donner quelques chiffres. La programmation primitive du budget de la commune de Consamba Premier au titre de l'exercice 2022, conformément aux dispositions de la loi numéro 2019-24 du 24 décembre 2019, portant code général des collectivités territoriales décentralisées, était équilibré, disais-je, que ce budget était équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 1,958,794,400 francs CFA. L'exécution de ce budget courant l'exercice 2022 s'est fait simultanément en recettes et en dépenses suivant les objectifs de programmation établis. À cet effet, s'agissant des recettes, la réalisation nous a permis d'atteindre les performances en grande masse d'un montant de 458 629 346 francs CFA, soit 23,43% des prévisions totales reparties ainsi qu'il suit. Les recettes d'investissement à 168 830 492 francs CFA, soit 8,61% des prévisions globales. La recette de fonctionnement à 289 792 888 francs CFA, soit 69% des prévisions globales. En ce qui concerne les dépenses, la programmation prévisionnelle globale était en parfait équilibre avec les recettes sous-évoquées. Il ressort donc de l'exécution globale de celle-ci que les sommes ordonnancées au cours de l'exercice 2022 s'élèvent à un montant de 405 925 979 francs CFA. Reparti aussi ainsi qu'il suit, les dépenses d'investissement, 248 561 156 francs, les dépenses de fonctionnement, 157 364 823 francs. Il est à noter que ce faible pourcentage d'exécution du budget est induit par la non prise en compte des dépenses programmées
du financement FEICOM qui n'ont pas pu être introduits en comptabilité du fait du manque de pièces justificatives. L'association de ces deux éléments nous permet de dégager un excédent brut de recettes sur les dépenses d'un montant de 52 703 367 francs CFA. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, comme je l'ai dit tantôt, je pense que c'est édifiant et révélatif de ce que j'ai dit tantôt, à savoir que je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pourrais peut-être m'apesantir sur quelques points qui permettent de dire tout simplement que, comme vous le savez bien, nous avons travaillé avec certains partenaires dans le cadre d'un certain nombre de projets, notamment le FEICOM, qui continue de nous appuyer. Et ceci nous amène donc à penser que si nous continuons dans ce sens, nous allons, en tenant compte de ce que j'ai dit tantôt, c'est-à-dire le fait que toutes les pièces justificatives en provenance du FEICOM soient constituées, les conventions notamment, ainsi que certains comptes qui vont être pris en compte, nous pourrons, sans risque de nous tromper, dire que nous pouvons équilibrer, nous pouvons atteindre les 70 voire 80% pour l'exécution de ce budget. Mesdames et messieurs, je peux me limiter là-bas et je serai prêt, je suis prêt et disposé à répondre, au cas échéant, à toutes les questions qui pourront nous être posées. Étant entendu que certaines ont été posées hier, il n'en demeure pas moins que nous sommes toujours disposés à le faire à présent. Madame le receveur municipal et moi sommes là, chacun à son niveau, pour essayer d'apporter de l'éclairage au cas échéant. Mesdames et messieurs, je vous souhaite donc un très bon travail et surtout, j'attends de vous les contributions, voire des questions, éventuellement. Nous serons prêts, comme je l'ai dit tantôt. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Après la présentation du compte administratif, présentation de Monsieur le maire, nous voulons passer la parole à Madame le receveur municipal pour la présentation de son compte de gestion. Les invités à vos rangs et grades respectifs. D'après la disposition de la loi 2019-024, du 4 décembre 2019, portant code général de la décentralisation, en son livre 5e, article 475, les receveurs municipaux comptables publics sont assignés à la production d'un compte de gestion. Aussi, le compte de gestion du receveur municipal pour l'exercice 2022, que j'ai l'honneur de vous soumettre pour analyse, retrace dans ses grandes lignes l'exécution du budget de l'exercice 2022. C'est-à-dire les exercices équilibrés en recettes et en dépenses à la somme de 1 958 794 400 francs. L'analyse du budget se présentera comme suit. En 1, nous avons l'opération budgétaire. En 1, 2, nous avons les recettes. En 1, nous avons les recettes. En 1, 2, les dépenses. En grand 2, nous avons les opérations des trésoriers. En grand 2, 1, nous avons les recettes. Et en grand 2, 2, les dépenses. Sans compter aussi les annexes qui sont entre autres. La balance des comptes. L'état d'exécution de recettes et dépenses. Le compte de gestion. L'état des restes à recouvrer. L'état des restes à payer. En 1, on commence par les opérations budgétaires. En 1, recettes. Les prévisions budgétaires en recettes étant de 1 958 794 400 francs, soit 1 543
21 964 francs. Et pour les recettes d'investissement, nous avons 414 865 436 francs. En un an, nous avons les recettes d'investissement. Les recettes d'investissement dont le budget primitif est de 1 543 928 964 francs CFA. Les recettes effectivement recouvrées sont de 168 830 498 francs. Nous passons aux recettes d'investissement. Glissées dans le tableau ci-dessus. En paragraphe, nous avons 100. Paragraphe 100. Intitulé Fonds de dotation reçue. Prévision budgétaire est de 39 millions de francs. Non recouvré. Ce qui est recouvré en 140 non subventions d'équipement reçu. En prévision budgétaire, nous avons 175 millions 500 000. Recettes constatées 168 millions 830 498 francs. Reste à recouvrir. 168 millions 830 498. Le taux de par rapport au budget, c'est 96,2%. En 150 emprunts à long et moyen terme, nous avons 1 329 428 928 964 francs. Il s'agit de le maire faisait allusion tout à l'heure. On n'a pas encore tous les documents sur les trucs pour pouvoir mettre ça dans le budget. C'est la raison pour laquelle pour ici en taux d'exécution, on n'a rien mis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exécution. C'est que c'est les documents qui ont manqué pour pouvoir estimer le taux. Recette de fonctionnement. Le budget primitif est de 414 865 436 francs. Les recettes de fonctionnement constatées sont de 289 798 848 francs. Et effectivement, recouvrés sont de l'ordre de 288 116 000 848 francs. Détaillé dans le tableau suivant. La case 710, recette fiscale. En prévision budgétaire, nous avons 48 millions 100 000 60 francs. Recette constatée, 26 millions 908 125 francs. Recouvré, 26 millions 908 125 francs. Reste à recouvrer. Taux d'exécution, 55%, 55,9%. La case 711 centimes additionnels. Prévision budgétaire, 172 millions 286 000 11 francs. Recette constatée, 149 millions 613 656 francs. Recette éprouvée, pareil. Et taux d'exécution, 86,8%. 713 produits des taxes. Prévision, 52 millions 470 747 francs. Constaté, 12 millions 447 000 francs. Recouvré, 10 millions 765 000 francs. Reste à recouvrer, 1 682 000. Taux d'exécution, 23,7%. 720 000. En TDL, taxe de port local, on n'a pas pu le tracer parce qu'il n'y a pas la traçabilité, comme ça passe maintenant par les impôts. Donc là, le dessin n'arrive pas à déterminer ce qui est TDL. Ça vient globalement. Donc on met dans autre recette. On ne peut pas estimer la valeur exacte.
raison pour laquelle on n'a pas mis le montant. Ce 120 cents produits d'exploitation des domaines prévu 3 778 285, c'est constaté 1 265 000, c'est recouvré pareil, taux d'exception 33,4%. C'est 130, c'est une rédevance. Ça n'a pas été augmenté cette année. C'est 140 produits financiers. C'est prévu 389 166. Au niveau de la recette, ça n'a pas été augmenté. C'est 150 subvention de l'État. Nous avons 76 250 000 francs au niveau des prévisions budgétaires. Et c'est constaté 7 500 000 recouvrés. 7 500 000, soit un taux de 9,8% par rapport aux provisions budgétaires. 765 transferts reçus. Nous avons constaté provisions budgétaires 45 200 000. Et c'est constaté 92 65 067 francs. Pareil pour recouvrer le taux d'exécution. C'est 204,5%. La CSS 770, autre produit et pour profit reçu, prévu et non augmenté. En ce qui concerne les recettes de l'exercice 2022, on note prévision budgétaire 1 958 784 400 francs. Recette constatée 458 629 346 francs. Recette effectivement recouvrée 456 347 346 francs. Un reste à recouvrer de 1 682 000, soit un taux d'exécution de 23,4%. Nous avons en 1, 2 dépenses. Les prévisions budgétaires en dépenses étant de 1 958 794 400 francs, soit 1 693 928 millions. Soit 1 693 928 964 francs. Pour les dépenses d'investissement, nous avons 264 865 436 francs. Les dépenses de fonctionnement sont exécutées comme suit. Dépenses de fonctionnement. Le budget primitif est de 264 865 436 francs. Les dépenses de fonctionnement prises en charge sont de 157 364 823 francs. Et les règlements sont de 132 634 208 francs. Nous allons à payer de 24 732 615 francs. Détaillé dans le tableau ci-dessus. En 610, biens et services consommés, prévision budgétaire, 64 035 000. Prise en charge, 40 864 904 francs. Dépenses réglées, 24 727 841 francs CFA. Reste à payer 16 137 063 francs. Un taux d'exécution par rapport au budget, 63,8%. 610 transferts consommés. Prévision budgétaire, 3 200 000
prise en charge 2 133 340, dépenses réglées 2 133 340, taux d'exécution 6,6% par rapport au budget. 612 autres services consommés. Prévision 39 950 871, prise en charge 9 930 995, réglé 8 456 251, reste à payer 1 474 744 francs, taux d'exécution 24,8%. 620 frais de personnel. Prévision 77 064 080 francs, prise en charge 43 233 336, réglé 41 246 395, reste à payer 1 976 941, le taux d'exécution 54,6%. 630 impôts et taxes 6 300 000, prise en charge 5 562 222 francs, dépenses de gré pareil, taux d'exécution 90,2%. 650 subventions versées, prévision 25 140 000 francs, prise en charge 20 755 616, réglé 20 555 616, taux d'exécution 82,5%. 660 transfert versé, prévision 9 475 485, prise en charge 8 618 416, réglé pareil, taux d'exécution 90,9%. 670 autres charges et pertes diverses, prévision 37 700 000, prise en charge 26 149 994, réglé 21 008 127 francs, reste à régler 5 141 867 francs, soit un taux d'exécution de 69,3%. En grand, nous avons dépenses d'investissement. Le budget primitif est de 1 993 928 964 francs. Les dépenses d'investissement prises en charge sont de 248 561 156 francs. Et les règlements sont de 216 357 453 francs. Soit un reste à payer de 32 203 703 francs. Ainsi détaillé. Remboursement en 150, nous avons remboursement des emprunts. Prévision budgétaire 9 280 824, prise en charge pareil, réglé pareil, taux d'exécution 100%. 210 acquisition de terrain prévu et non mouvementé. 220 autres rémunérations corporelles, prévision budgétaire 1 207 148 140 francs, prise en charge 24 999 francs, dépenses réglées idem, taux d'exécution 2%, 8,5%.
221. Agencement et aménagement. Le taux de division ici est faible. J'ai expliqué tout à l'heure que c'est un peu la plus achat de pièces de ville. On n'a pas les pièces pour pouvoir insérer. 221. Agencement et aménagement. Prévision 194 millions 50 000. Prise en charge 104 151 333. Réglé 71 millions 941 630. Reste à régler 32 millions 203 703 francs. Soit un taux d'exécution de 53,6%. 222. Matériel et immobilier. Budget prévision 268 450 000. En plus en charge, 110 129 000 francs. Réglé, idem, taux d'exécution, 41,2%. Donc, en ce qui concerne les sites 2022, on peut résumer ainsi. Prévision budgétaire, 1 958 594 400 francs. Dépenses prises en charge, 405 925 979 francs. Réglé 348 991 661 francs. Reste à payer 56 934 318 francs. Alors, résumé, en somme, si les résultats présentés ci-dessus ont connu des améliorations au niveau de pression temporaire de la voie publique, de la taxe d'hygiène et de salubrité, il n'en demeure pas moins qui pourrait être aussi meilleur s'il y avait traçabilité de tous les impôts. Si aussi l'impôt obligatoire était recouvré et puis percevoir sur le montant qui est versé au niveau du trésor. Et aussi la prise en charge par les CDI. Je vous remercie de votre aimable attention. Bonsoir, le conservateur premier. Monsieur le maire de la commune d'arrondissement du conservateur premier. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, chers invités, en vos rangs et plans respectifs, c'est avec un réel plaisir que je fais au rapport de la gestion matière dont j'ai la charge en ce jour. En effet, l'exercice 2022, nous débutons avec l'existence d'un montant de 29 649 143 qui représente le matériel durable de notre mairie. Durant l'exercice 2022, nous avons eu des entrées d'une valeur de 116 961 608 francs, représentant les opérations à charge du premier et second semestre de l'année. Ensuite, nous avons eu des sorties d'une valeur de 25 704 617 francs, représentant les opérations à décharge des deux semestres. Ce qui nous amène à avoir enfin des essais restants d'une valeur de 88 425 091 francs, qui représente le matériel durable. Voici, chers participants, vos en quelques lignes, mon point de gestion matière. Merci de nous venir. Je vous remercie. Après la présentation de ces différents comptes, des rapports des commissions des affaires sociales. La commission des affaires sociales vous souhaite une chaleureuse bienvenue dans cette salle des actes, ainsi qu'à la forte délégation qui vous accompagne. Convoqué par M. le maire, les membres de la commission des affaires sociales et culturelles se sont réunis dans cette même salle hier à l'effet d'examiner les différents comptes. Nous avons parcouru les documents et nous nous sommes fixés sur les volets sociaux. Je vais passer la parole à M. le secrétaire de la commission pour vous donner le contenu de nos travaux. Merci.
15 juin 2023, s'est tenue à la commune d'arrondissement de Consamba 1er 2022, ainsi que les délibérations y afférentes. Après l'ouverture des travaux par le maire H. Oumarou, les membres de la commission des affaires sociales se sont réunis autour de Mme Yemsa Demanga Martin-Lévy, présidente de cette commission, pour l'examen des différents documents mis à leur disposition. Au vu des documents susmentionnés, il ressort que le budget 2022 relativement au volet social a été exécuté à plus de 50% à l'instar de la fourniture en équipement au centre de la promotion de la femme et de la famille d'un montant de 4 150 943 francs CFA. Appui en équipement à l'association des menuisiers, les tricycles, les cannes anglaises et les cannes blanches aux handicapés. Appui à l'association des handicapés pour l'élevage des porcs. Appui à l'association des déplacés internes pour l'élevage des escargots. Appui à l'équipement pédagogique, paquet minimum dans les écoles. La prise en charge du personnel du centre de la promotion de la femme. Nous apprécions en sa juste valeur la construction de la maison des jeunes filles dans les prochains jours. Nous remercions Monsieur le maire pour toute l'attention qu'il porte à la rubrique sociale et culturelle. Par ailleurs, la commission exhorte Monsieur le maire d'être toujours à l'écoute des instances décisionnaires des projets et de multiplier des partenaires à l'instar de celui qu'il a déplacé il y a quelque temps dans un pays ami du Cameroun. Compte tenu de tout ce qui précède, la commission des affaires sociales et culturelles donne son quitus pour l'adoption du compte administratif de Monsieur le maire, du compte de gestion de Madame le conseiller municipal, du compte de gestion matière, du comptable matière, ainsi que toutes les déclarations qui afférentes. Pour terminer, les membres de la commission des affaires sociales et culturelles témoignent leur gratitude à l'exécutif municipal pour la clarté et la qualité des documents mis à leur disposition pour l'examen et adoption des conseillers municipaux. Étaient présents Madame Yemsa Demanga Martin, Joël Bouliman, Maître de Kanjel Etel, Majesté Chupoué Abdoulaïna, M. Donald Pocan François, Madame Django Claudine. Je vous remercie. Les grands travaux au rapport. Merci de me passer la parole, Monsieur le préfet du département de Mungo, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Consamba 1er, Monsieur le délégué départemental du ministère de la décentralisation et du développement local, chers invités, honorables conseillers, recevez les salutations des membres de la commission des grands travaux de la commune d'arrondissement de Consamba 1er. Le 15 juin, la commission des grands travaux sur convocation de M. le maire El Hadj Oumarou s'est réunie dans cette salle à l'effet d'examiner le compte administratif de M. le maire, le compte de gestion de Mme le receveur municipal et le compte de gestion matière de Madame le comptable matière. Nous nous sommes appesantis sur le volet concernant les recettes d'investissement et les dépenses d'investissement. Et nous sommes heureux de constater que le rapprochement des prévisions du plan de campagne 2022 et leur réalisation dans le compte administratif sont concordantes. Nous allons passer la parole au rapporteur pour vous donner la quintessence de ce que nous avons pu faire. Merci. Et 16 du mois de juin, s'est réuni dans la salle des actes de la commune d'arrondissement de Consamba 1er sur convocation de M. le maire El Hadj Oumarou. La commission des grands travaux a l'effet d'examiner et adopter
le compte administratif 2022 de M. le maire et les délibérations y afférentes, le compte de gestion 2022 de Mme le receveur municipal, le compte de gestion matière 2022 de l'ordonnateur matière, appréciation du compte administratif 2022. Les comptes administratifs de gestion comptable et gestion matière sont des indicateurs de taux de mise en œuvre du budget en question et surtout de ses réalisations. Nous constatons que les recettes d'investissement effectivement réalisées sont de 168 830 498 francs et représentent les rapports divers reçus de l'État. Les dépenses d'investissement prises en charge sont de 248 561 156 francs CFA. De l'observation, il en ressort un excédent des recettes sur les dépenses d'un montant de 52 703 367 francs CFA. Il est à noter que de notre commission, en tenant compte du plan de campagne 2022, salue à juste titre les importantes actions menées à l'instar de l'amélioration de l'offre des services sociaux de base, de la promotion du développement économique, la protection de l'environnement, la construction des infrastructures scolaires et routières, etc. En conclusion, la commission des grands travaux constate que tous les investissements correspondent aux prévisions du plan de campagne de la période budgétaire 2022. Cependant, elle suggère vivement que tous les efforts supplémentaires soient faits pour accroître davantage le taux de réalisation de nos budgets afin d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Au terme de l'étude des comptes soumis à notre adoption, la commission des grands travaux note une concordance entre le compte administratif de M. le maire L. A. Djoumaro et le compte de gestion comptable de Mme le receveur municipal pour l'exercice 2022. En fin de compte, les membres de la commission des grands travaux félicitent l'exécutif municipal pour la clarté et la qualité des documents présentés à l'étude et approbation des conseillers. Il salue une fois de plus M. le maire pour la magnifique qualité des travaux de notre hôtel de ville qui avance normalement. En conclusion, elle recommande à l'ensemble du conseil municipal de voter le compte administratif de M. le maire, le compte de gestion de Mme le receveur municipal et compte de gestion matière de Mme le comptable matière, ainsi que les délibérations y afférentes. Étaient présents président M. le Djokombo Emmanuel, secrétaire M. Moussandia Waname Robert, membre, M. Tussou Félix, Sa Majesté Ngala Moïvaris, Sa Majesté Mahmoud Youssouf Nazaire, Madame Tchouembou Bernadette. Je vous remercie. Nous décentralisés et du développement et du partenariat local pour son rapport, s'il vous plaît. Bien respecté. Je me fais le devoir, en ma qualité de président de la commission, le rapporteur étant empêché, je vous ferai le devoir de lire moi-même le rapport de la commission. L'an 2023 et le 15 du mois de juin, sur convocation de M. le maire de la commune d'arrondissement de Consamba Ier et la Djoumaro, la commission de la coopération décentralisée du partenariat local s'est réunie autour de son président dans la salle des délibérations de la dite commune. À l'effet d'examiner et d'apprécier le compte administratif de M. le maire, le compte de gestion du receveur municipal, le compte matière du comptable matière des délibérations et afférentes pour l'exercice 2022. De l'exploitation des 10 documents mis à sa disposition, la commission a apprécié à sa juste valeur la qualité de ceux-ci sur la forme et sur le fond. Elle constate en outre ce qui suit du compte administratif chapitre 71-210, taxe sur le développement local. La commission constate qu'elle a connu un recouvrement de l'ordre de 15 millions de francs, ce qui est à féliciter puisqu'elle connaît une hausse par rapport au précédent qui s'élevait à 2 703 668 francs CFA, soit une hausse de 12 296 332 francs en valeur absolue. La commission saisit cette opportunité pour exhorter l'exécutif municipal à redoubler d'ardeur au travail pour recouvrer toutes les autres taxes liées au développement local. Les délibérations. La commission de la coopération décentralisée du développement local et du partenariat local félicite l'exécutif municipal pour la mise sur pied d'un cadre de dépenses à moyen terme
pour le compte des exercices 2022-2024, la commune d'arrondissement de Consolat-Pégny. Cette initiative fort salutaire qui s'inscrit dans la stratégie nationale de développement SRD 30 2020-2030 du gouvernement permettra d'améliorer l'état de service des voies de communication, de relancer l'économie locale et d'améliorer le cadre de vie des populations. La commission apprécie à sa juste valeur l'initiative d'une délibération sollicitant une collaboration en partenariat avec l'ONU Habitat. Elle est persuadée que ce partenariat, qui sera certainement suivi d'un accompagnement multiforme, permettra à terme l'éclosion du développement social dans notre arrondissement. Elle félicite l'exécutif municipal pour cette heureuse initiative. La commission apprécie en outre la mise sur pied prochaine du syndicat des communes. Elle félicite l'exécutif municipal pour l'identification des projets à financer par le programme de développement économique et social des villes secondaires exposées à des facteurs d'instabilité, en abrégé PRODES 2, pour l'exercice en cours. La commission encourage d'autre part l'exécutif municipal à renforcer son partenariat avec le PND, le Programme national de développement participatif. Elle encourage les efforts déployés par M. le maire en vue de la signature d'une convention de partenariat avec entre la commune d'arrondissement de Consolat-Pégny et la GIZ, l'Institut de coopération d'origine allemande. La commission de la coopération décentralisée du développement local invite enfin de ce fait les conseillers municipaux à voter à l'unanimité le compte administratif de M. le maire, le compte de gestion du receveur municipal, sous réserve de son approbation prochaine par la Chambre des comptes de la Cour suprême. Le compte patrimoine du comptable matière et toutes les délibérations y afférentes étaient présents, le président Tshikombo, le rapporteur Ken, Péfakwe, Farel, les membres et Koumé Pierre, Gassa Bert, Ndietchou Farel. Je vous remercie. Mon groupe, les membres de la commission des finances sont tout heureux de vous avoir une fois de plus avec eux ce jour. Et vous souhaite à cet effet la bienvenue au sein de leur commune ainsi qu'à la forte délégation qui vous accompagne. La commission des finances et l'ensemble du conseil s'est réuni en date du 15 sur convocation de L.H. Oumaou, maire de la commune, le conseil premier, pour examiner et adopter les différents rapports qui ont été soumis à leur examen. Je vais passer la parole au rapporteur de la commission pour qu'il vous donne la teneur de ces deux observations. Le 15 et le 16 juin 2023, rapport de la commission des finances. Le 15 et le 16 juin 2023, les conseillers municipaux de la commune d'arrondissement de Consolat-Pégny ont été convoqués par L.A. Oumaou, maire de la dite commune, afin de procéder à l'examen et à l'adoption du compte administratif 2022 de M. le maire, du compte de gestion du receveur municipal, du compte de gestion matière et l'ordinateur matière et les tests des délibérations. C'est ainsi que le 15 juin 2023, dans la salle des délibérations Ikoali-Iwane, les conseillers municipaux se sont réunis dans le cadre des dix travaux en commission et ont procédé dans un premier temps à l'inventaire des documents soumis à leur appréciation. Ceux de la commission des finances vont se regrouper autour de leur président, Sa Majesté Cameron Philippe, et s'atteler à l'analyse des différents documents à leur possession dans le cadre des objectifs à leur assigner. Petit A, les données statiques. Les données statistiques. La commission constate que, contrairement au précédent compte administratif, les lignes population et effectifs du personnel et de ces chapitres sont bien renseignés dans le document compte administratif de M. le maire. Petit B, compte administratif. Il ressort de l'examen de celui-ci que les recettes réalisées au cours de l'exercice budgétaire 2021-2022 s'élèvent à la somme de
458 329 346 francs CFA. Et les dépenses engagées à la somme de 405 925 979 francs CFA pour une prévision globale équilibrée en recettes et en dépenses à la somme de 1 958 794 francs. Petit C, rapport de performance du compte administratif 2022. Le compte administratif 2022 présente en recette un montant de 458 629 346 francs CFA. En recette constatée pour une recouvrement un recouvrement de 456 947 762 francs CFA et un reste à recouvrir de 1 681 944 francs CFA. Avec un taux de réalisation par rapport à la prévision de 23,4%. En dépenses, des engagements de l'ordre de 405 925 979 francs pour un règlement effectif de 348 991 661 CFA et des restes à payer de 56 934 318 francs CFA. Son taux de réalisation par rapport à la prévision est de 20,72%. Ici, ceci fait apparaître sur une différence entre les recettes constatées et les prises en charge un excédent de recettes sur les dépenses de 52 703 367 francs CFA. On constate avec le report de solde positif de la trésorerie de l'exercice 2021, une trésorerie de 223 549 383 francs CFA pour l'exercice 2022. Analyse de recettes. Ces recettes sont reparties en recettes de fonctionnement et recettes d'investissement. Il ressort un taux de réalisation de recettes par rapport à la prévision de 23,4%. Et tout en remarquant que le taux de réalisation de recettes de fonctionnement est de 69,85%, alors que celui de l'investissement est seulement de 10,90%. Deux autres observations sont à faire. 1. Le taux de réalisation de recouvrement par rapport aux recettes émises de 99,63%. Nous marquons ici un temps d'arrêt pour apprécier ce travail et adresse nos encouragements à l'exécutif municipal et au personnel qui met en œuvre leur directif. Petit 2. Comparé à l'exercice antérieur, on observe une légère reprise dans l'accroissement de recettes d'environ 9 721 947 francs CFA. Signe que l'année Covid-19 est désormais derrière nous. Les recettes de fonctionnement. Les sommes recouvrées en recettes de fonctionnement s'élèvent à 289 798 848 francs CFA, soit 69,85% en valeur relative par rapport au budget de la au budget de fonctionnement primitif 2022. Il affiche un accroissement de 89 858 141 francs CFA, soit 31%. Comparé à l'exercice 2021, un examen rubrique par rubrique indique une hausse de recettes sur le rubrique suivant. 710, recettes fiscales, 26 908 125 francs, soit une hausse de 13 357 524 francs. 711, centimes additionnels, 149 613 656 francs CFA en accroissement de 19
961 254 francs. 760 transferts reçus. 92 650 067 francs en encrochement de 70 752 010 francs. Par ailleurs, d'autres rubriques connaissent une baisse dans leur recouvrement. Il s'agit de rubrique 713, produits de taxes communaux, 12 447 000, pour une baisse de 4 724 000. 720, produits d'exploitation de demain, 545 millions, baisse de 822 987 francs. 750, subventions de fonctionnement, 7 700 000. On constate une baisse de 7 500 000. Petit B, recettes d'investissement, d'un montant de 168 830 498 francs et en net recul par rapport aux recettes d'investissement qui étaient de 248 975 692 francs CFA dans le compte administratif 2021. Petit 2, analyse de dépenses. On constate qu'au cours de l'exercice 2022, 348 991 661 francs CFA ont été payés sur des engagements de 405 925 979 francs CFA, soit un taux de 85,97%. Cet engagement pris au cours du dit exercice représente en valeur relative 20,72% par rapport au budget prévisionnel. Cette situation consacrait ainsi des crédits non consommés à annuler de 1 552 921 francs CFA, représente 79,28% du budget initial. La consommation de droits constatés nous fait ressortir un reste à payer de 56 934 378 francs CFA. Petit C, des dépenses de fonctionnement, d'un montant de 157 364 823 francs CFA et en nette augmentation d'un montant de 13 116 778 francs, comparé à celle de l'exercice 2021 et représente 38,76% des dépenses globales. Les ratios, ce ratio est très en dessous de la norme qui est de 60%. Ici, en dehors des rubriques souvent qui connaissent une baisse, 612 autres services consommés, 2 133 340 000 francs, baisse de 5 552 742 francs CFA. 650 subventions versées, 20 755 616 francs CFA, baisse constatée de 1 421 francs CFA. Les autres rubriques connaissent une augmentation. La rubrique 620, frais de personnel, d'un montant de 43 223 336 francs CFA, soit une baisse de 4 652 609 francs CFA par rapport à l'exercice 2021. Cette rubrique représente en valeur absolue, soit 27,46% des dépenses de fonctionnement. On constate ici le non-respect de ce ratio dont la norme se situe à 35%. Les dépenses d'investissement, pour un montant de 248 561 156 francs CFA, tout en baisse par rapport à l'exercice précédent, il représente 61,24% des dépenses globales. Rubrique 221, augmentation et aménagement en hausse de 126 487 131 francs CFA, soit 16,13% en valeur relative, constitue
la stature de nos dépenses, le statut de nos dépenses d'investissement à laquelle est associée la rubrique 150, remboursement des emprunts à long et moyen terme, 9 280 824 francs. 220, autres immobilisations corporelles, 24 999 999 francs. 221, agencement et aménagement, 104 151 333 francs. 222, matériel et mobilier, 110 129 000. Petit e, présentation des dépenses par programme, objectif, indicateur. Programme 1, amélioration des offres de services sociaux de base. Prévision, 92 400 000. Réalisation, 80 544 708 francs. Taux d'exécution, 87,71%. Programme 2, promotion du développement économique et protection de l'environnement. Prévision, 343 225 000. Réalisation, 215 014 134 francs. Taux d'exécution, soit de 2,65%. Programme 3, promotion de la culture, de sport et appui à la jeunesse. Prévision, 23 100 000. Réalisation, 1 686 825 000. Taux d'exécution, 7,30%. Prévision, programme 4, gouvernance et administration locale. Prévision, 500 millions. Réalisation, 108 680 252 francs CFA. Taux d'exécution, 7,25%. Les recommandations, au regard du taux de réalisation de recettes par rapport à la prévision budgétaire, vraiment déplorable pour notre commune, les membres de la commune réitèrent, les membres de la commission réitèrent à l'exécutif les déploiements des agents communaux dans les différents marchés, dans le type de l'accroissement des recettes propres à la commune. Le marché des Bundan, conçu par la mairie de Nkosamba Premier. La perception de l'OTVP autour du marché A et B, Consamba, qui crée un litige avec la communauté urbaine et dont l'arbitrage de l'autorité tutelle est sollicité. Parcourant l'annexe état de reste à payer 2022, la commission recommande à l'exécutif des paiements des frais d'émission effectués par le personnel, car elle croit que cela participe à la motivation nécessaire et à, nécessaire et à un bon rendement. Contre l'exécution de recevoir municipal, l'examen du projet de compte administratif étant épuisé, les conseillers municipaux, membres de la commission des finances, ont procédé à l'examen du compte de gestion de recevoir municipal. Dans ce document, les membres de la commission n'ont relevé aucune anomalie. Ils ont établi la concordance des chiffres contenus dans les comptes administratifs de M. le maire et les comptes de gestion de recevoir municipal. Les comptes de gestion matière. Pour le compte de gestion matière, des ordinateurs matières, les membres de la commission n'ont relevé aucun motif de rejet. Les délibérations. En ce qui concerne les délibérations, elles ont été examinées par une après une et validées par tous les membres de la commission. Pour terminer, après avoir examiné tour à tour les comptes administratifs de M. le maire, les comptes de gestion du conseil municipal, les comptes de gestion matière et l'ordinateur matière, ainsi que les délibérations y afférentes, les membres de la commission des finances
recommande à l'ensemble du conseil municipal de voter pour l'adoption de ces différents documents minutieusement examinés. Fait en consentement le 15 juillet 2023, était présent Sa Majesté Kamouhamd Philippe, président, M. Ibn Amala, rapporteur, Moussa Issa, Mme Doneki, Mala, et Sonjo, Denis Nikes, membre, président, Sa Majesté Kamouhamd Philippe. Je vous remercie. La parole à M. le maire, c'est un complément de réponse avant que de passer au vote des différents comptes. Je voulais tout simplement remercier les travaux des conseils municipaux qu'on a pu. Je constate que c'est un travail qui est bien cherché. Et dans le fond, nous sommes en face. Donc, je voulais me réjouir de ce que peut-être que s'il y a un complément d'information de la part de certains conseillers municipaux, quelqu'un qui aurait peut-être avoir plus de clarté, nous sommes prêts à répondre. Apparemment non, on n'a pas pu le. Vous voulez me dire simplement. Je voulais vous dire simplement merci, surtout pour votre patience, parce que la lecture n'a pas été facile pour nous qui sommes ici au niveau de ceux qui ont présenté. Ça n'a pas été très très facile, mais bon. L'essentiel est que tout s'est très bien passé. Nous vous remercions beaucoup. Merci. Le point suivant appelle le vote des comptes. Nous voulons rappeler qu'en la matière, le Code général des collectivités territoriales décentralisées précise en son article 176 ce qui suit. Lors de la discussion relative au compte administratif, le président de la commission chargé des questions financières ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la dite commission préside la séance du conseil municipal. Dans ce cas, le maire peut assister à la discussion mais doit se retirer en cas de vote. Nous constatons que nous avons terminé avec la première phase d'avis de discussion. Monsieur le maire, l'exécutif peut donc se retirer et le président de la commission des finances prendre place pour la suite des événements. Portant examen adoption du compte administratif d'exercice 2022. Tous ceux qui sont d'accord, lèvent le doigt, s'il vous plaît. Adopté. Nous allons adopter avec vous. Nous passons à la deuxième délibération. Adopté. Merci. Délibération numéro 3. Adopté. Validé. Merci. Monsieur le Président, vous avez la parole. Monsieur le maire, représentant l'exécutif municipal, donc l'ensemble du conseil, tous les documents qui ont été soumis à leur examen, notamment le compte administratif de Monsieur le maire, le compte de gestion de Madame le receveur et le compte de gestion matière de Madame le receveur matière. Comptable. Le comptable matière, donc moi. Donc nous sommes heureux donc de vous dire que tout a été adopté et nous et vous cédons la place que nous avons occupée temporairement. L'exécutif. Adopté. Délibération. Adopté. Concours. Lève le doigt. Adopté. Dernière délibération. Lève le doigt.
Si. Relative à l'examen et à l'adoption des comptes de la commune de Constantin Ier au titre de l'exercice 2022. Permettez-moi de remercier Monsieur le maire et tous les présidents des commissions pour les mots aimables de bienvenue. Je ne voudrais pas être long, je voudrais dire deux ou trois petites choses. La première, c'est saluer la vitalité de votre commune. Et le caractère sérieux qui a animé l'examen de ces comptes. Je voudrais saluer de manière particulière, ça rejoint la première salutation, le dynamisme qui anime Monsieur le maire et l'ensemble du conseil. Comme vous le voyez, votre commune n'a pas une surface particulièrement grande en termes de recettes, mais c'est le dynamisme à travers les contrats et les partenariats qui lui donne la visibilité souhaitée. Nous saluons les partenariats avec différents organismes et c'est ces partenariats qui permettent de booster certaines de vos recettes. Cela ne vous exonère pas à améliorer améliorer le recouvrement de vos recettes propres. Les partenariats sont visibles. Nous voyons à travers l'ONU Habitat, à travers Concours Ville Propre, à travers le FEICOM, à travers PRODES, à travers GIZ, nous voyons comment c'est le résultat de ce partenariat impacte positivement la commune. Nous invitons donc Monsieur le maire à continuer à batailler pour nouer tous ces contrats dont les résultats sont palpables dans l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Je saisis l'occasion donc, une fois de plus, pour, en plus de ces partenariats, vous inviter à dénicher toutes les autres niches pouvant vous amener à accroître vos recettes. La situation préoccupante de certaines recettes, des répartitions de certaines recettes avec la communauté urbaine devrait retenir notre attention. J'invite donc Monsieur le délégué de la décentralisation à prévoir dans les meilleurs délais une séance de travail avec toutes les parties prenantes pour que chacune des collectivités puisse pleinement entrer en possession de ce qui lui est dû, conformément à la réglementation en vigueur. Merci. Je souhaite par ailleurs que les travaux de notre hôtel de ville, de ce magnifique édifice que nous avons visité, se poursuivent et s'achèvent pour le rayonnement de notre belle commune. Il n'y a point de commentaire à faire, nous avons vu ce qui sera dans quelques mois l'hôtel de ville de Nkonsamba Ier. Et je crois que le numéro premier, le numéro un qu'il a toujours eu, va une fois de plus s'imposer de par ce bel édifice. Donc, j'ai hâte d'être présent à vos côtés pour la prochaine session, et ça sera la session budgétaire. Donc nous espérions que les travaux auront avancé et que ce soit l'entreprise ou la maîtrise d'œuvre nous ont donné des garanties. Donc d'ici 3 mois, lorsque nous serons en phase préparatoire des sessions budgétaires, nos souhaits et nos voeux sont que cet édifice, pour notre rayonnement et pour la joie de toutes les populations, que cet édifice, disais-je, soit terminé. Et pour conclure, je voudrais inviter les populations de la commune de Nkonsamba Ier à tourner le dos vers tous ces discours qui, ces derniers temps, emplissent les réseaux sociaux, nos villes et nos campagnes, les discours de haine, de division, les discours
de tribalisme. Nous n'en avons pas besoin pour construire nos villes et nos communes. Nous avons besoin de vivre ensemble. C'est une exigence capitale. Nous n'avons pas choisi de vivre ensemble. Nous devons vivre ensemble. Nous devons vivre ensemble en nous respectant les uns les autres, en respectant les lois et la réglementation. C'est un vœu cher au président de la République, son Excellence Paul Biya. Et nous, en Consamba, nous avons l'habitude et nous savons vivre ensemble. Ne nous laissons pas intoxiquer par tous ces discours de haine qui voudraient que, je n'ose même pas entrer dans ces catégories. Mais sachez que, unis, nous sommes forts. Ensemble, nous sommes forts. Divisés, nous sommes faibles. Et aucun développement ne peut se faire dans la haine, dans la division. Soyez ces citoyens, ces patriotes qui veulent vivre dans l'unité, dans la paix. Et c'est l'unité et la paix qui donnent la prospérité. Si nous ne sommes pas unis, nous ne pouvons pas être prospères. Notre commune ne peut pas se développer avec une seule entité. Donc, restons soudés. Nous savons l'être ici en Consamba Premier. Et je souhaite que cela se poursuive dans vos quartiers, que cela se poursuive dans vos villages, que chacun, dans sa famille, dans sa communauté d'origine, combatte les discours de haine et de division. Notre pays n'en a pas besoin. Notre département n'en a pas besoin. Notre commune n'en a pas besoin. C'est sur ce vœu d'unité, sur ce vœu de vivre ensemble que je souhaite longue vie à votre commune, à notre département et à notre très beau pays uni dans sa diversité, le Cameroun, avec son Excellence Paul Biya. Je vous remercie. Il ne nous reste plus qu'à inviter M. le maire pour reprendre la parole. Dis merci à toi. Monsieur le délégué départemental du Mindebel, chers collègues conseillers municipaux, comme vous le voyez, je suis très ému, très agréablement surpris par la tonalité de M. le préfet du département du Mongo, qui nous a dit ce qu'il fallait nous dire, qui nous a, comme toujours, prodigué de très bons conseils, mais a surtout attiré notre attention sur un certain nombre de choses que nous tous avons retenues. Améliorer nos recettes, essayer de poursuivre les partenariats avec tous ces organismes-là, sans oublier que nous avons un devoir important à faire ici dans la ville de Consamba Premier, mais aussi et surtout, ce fameux discours de haine qui, comme nous le savons tous, ces derniers temps, a failli porter préjudice jusque dans notre département. Je pense, à mon avis, qu'en votre nom à vous tous, je vous prie, chers camarades conseillers municipaux, avant de poursuivre, je vous prie de nous lever tous pour dire merci avec des salutations, vraiment ce que je peux défendre l'anglais appelle un standing ovation à M. le préfet du département du Mongo. S'il vous plaît. Merci infiniment. Merci. Monsieur le préfet a parlé de vitalité. C'est pour ça que nous avons voulu lui dire aussi que nous aurons cette vitalité-là. Pas seulement dans le cadre de nos actions, mais aussi entre nous. Monsieur le préfet, nous vous assurons et voulons vous dire d'ailleurs que nous serons ce que les gens appellent souvent le porte-étendard. Nous serons ceux-là qui vont aller
au-delà, qui vont se battre. Nous allons tout faire pour que nous puissions véhiculer ce grand message que vous nous avez donné. Parce que ce message reflète exactement la composition de notre commune. Et comme vous le voyez bien, monsieur le président, monsieur le préfet du département de Mongou, si vous voyez comment nous sommes composés, à commencer par l'exécutif que je suis, Papa Tafou, Maman Eboa. Pour ceux qui comprennent, ils doivent comprendre, ils devaient comprendre que nous n'avons même pas attendu que ces gens-là qui véhiculent ce discours de haine-là fassent ce qu'ils font pour qu'on comprenne que, en Kossamba premier, nous n'avons pas ce problème-là en tant que tel. Et nous n'avons pas besoin de cela pour dire vrai. Maintenant, monsieur le préfet, nous avons pris sur nous de nous battre pour l'intérêt de notre ville. Monsieur le préfet, vous avez été avec nous. Je suis aujourd'hui maire de cette commune. Et je pense que nous l'avons été depuis 2007. Ça fait environ 16 ans aujourd'hui, c'est ça? C'est bien 16 ans. 16 ans. Nous n'avons jamais vu quelqu'un qui s'est levé pour dire je suis contre une seule délibération ou une seule voix qui dit non. Ça a été toujours comme ça, monsieur le préfet. Nous avons travaillé dans la paix et la sérénité. C'est-à-dire que, comme vous le voyez là, monsieur le préfet, si vous voyez un conseiller municipal absent lors du renouvellement de ce conseil, ce serait ce conseiller-là lui-même qui est parti. Mais personne ici ne songe à s'imaginer que nous n'allons pas être là. Nous avons été là avec les pionniers, nous tous nous avons été là. Il y a quelques-uns parfois qui sont partis d'eux-mêmes, mais pas beaucoup. Mais il y a surtout ceux qui, malheureusement, ont été rappelés. Pas beaucoup aussi à ce niveau-là. Donc, monsieur le préfet, nous voulons vous dire que nous ici, en Kossamba premier, nous pouvons nous vanter de ce que nos réussites résulte du fait que nous ne voulons pas être en porte-à-faux avec nos visions. Si dernièrement nous avons été amenés, obligés de descendre sur le terrain pour aller dire à certains de nos, comment on appelle ça, collaborateurs installés dans certaines, à la communauté urbaine, on le dit comme ça, qui ont voulu semer la zizanie entre les deux exécutifs, c'est-à-dire la mairie de la ville et la mairie de Kossamba premier, si nous sommes partis nous-mêmes, tous les conseillers municipaux qui étaient d'ailleurs avec moi ce jour-là, nous sommes allés dans le bureau de M. le maire de la ville pour essayer de gérer certain nombre de choses, c'est pour que ces enfants-là ne s'imaginent pas qu'ils peuvent réussir à créer une zizanie ou une dichotomie entre nous et la mairie de la ville. D'ailleurs, la mairie de la ville, c'est qui? C'est nous, les conseillers municipaux qui sommes ici. C'est nous. Je voulais appeler l'attention très respectueuse de M. le préfet pour dire que mon premier adjoint sur le plan politique, vice-président du bureau de la section ADPC Mongo Nord 1, Maître Ekandje Edjanga Etel qui est là, il est le premier agent au maire de la ville. Donc, je pense que je ne me vois pas en train de me bagarrer avec mon agent sur le plan politique. Ce serait peut-être démentiel de notre part. Donc, je peux simplement me limiter à ce niveau-là pour dire que, franchement, nous avons compris que certains de nos collaborateurs qui, pour des raisons qui leur sont propres, souhaitent poser certains actes et à ce niveau-là, dès que nous avons constaté que c'était ça l'objectif, nous sommes allés mettre de l'ordre pour dire que nous n'allons pas accepter qu'on nous amène
là où on veut nous entraîner. Nous refusons cela. Donc, monsieur le préfet, nous voulons vous dire, je voudrais saisir cette opportunité qui m'est ainsi offerte. Je voudrais saisir cette opportunité pour dire merci à vous, mesdames et messieurs les conseillers municipaux. Merci parce que beaucoup parmi vous mettent de leur argent. Beaucoup parmi vous sacrifient leur temps. Beaucoup parmi vous sacrifient leur énergie. Et c'est aussi ça la force de Consamba Premier. Il y a ceux qui pensent, qui réfléchissent. Il y a ceux qui apportent une force physique. Il y a ceux qui apportent la poche de leur argent. Il y a aussi les lumières, que sont les intellectuels, qui sont parmi nous, qui sont des âmes, qui éclairent. Ça, nous les avons tous. Donc, Consamba Premier a tout. Tout. Le plus est, nous avons la chance d'abriter la préfecture de Consamba, du département du monde. Qu'est-ce que nous voulons encore? Tout simplement remercier monsieur le préfet, remercier les forces de maintien de l'ordre sous l'encadrement de monsieur le préfet, toutes forces confondues, parce que grâce à ces forces-là, nous cohabitons pacifiquement. Nous n'avons aucun problème majeur et chaque fois que nous avons eu besoin de ces forces-là, monsieur le préfet, parfois nous ne vous saisons même pas. Dès que nous demandons de l'aide, elle nous aide à tout moment, en tout temps, en toutes circonstances. Je ne peux pas énumérer combien de fois j'ai appelé monsieur le préfet pour que vous demandiez personnellement que ces forces-là nous aident. Et nous avons toujours eu ce concours-là. Et ça, c'est sur tous les plans. Quand je dis tous les plans, c'est-à-dire que sur le plan sécuritaire d'abord, mais aussi même sur le plan politique, même sur le plan politique, de toute façon, il n'est pas interdit à un politicien, quel qu'il soit, de demander à une force de l'aider. Donc nous, nous sommes aidés. Il faut que nous soyons honnêtes. Nous devons dire la vérité. Et dire que chacun qui peut, chaque citoyen, si vous vous sentez laissé, vous pouvez faire appel aux forces. Et ces forces-là, si elles constatent que vous êtes sincère et honnête, ces forces-là vont agir. Mais si vous êtes malhonnête, elles vont aussi agir, mais à leur manière. Ceci étant, ce que fait le département du monde. Dernièrement, nous nous sommes déployés, nous avons été invités parce que, certainement, l'ONU Habitat a vu ce qu'elle a vu, s'il importe, il faut le dire. Il y a un concours qui a été lancé par Charter Academy, une institution qui travaille en étroite collaboration avec l'ONU Habitat. Et ce concours a été lancé au niveau de la zone CEMAC. Consamba Premier a postulé. Et la collaboratrice, pour l'appeler par son nom, et je voulais par là vous inviter, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, à accepter que j'adresse mes vives félicitations, par écrit d'ailleurs, à mademoiselle Koyev Stella Nelly, qui a postulé et a été la seule d'ailleurs, je dis bien la seule dans toute la zone CEMAC, je ne parle même pas des maires, des mairies du Cameroun, toute la zone CEMAC. Elle a été la première. Et c'est d'ailleurs grâce à ce concours-là, au fait qu'elle a été. Ah, ok. Merci. Je voulais vous adresser une félicitation devant M. le préfet. C'est grâce à ce concours-là que nous avons été invités au siège de la nation. Que j'ai été invité, il faut le dire comme ça. J'ai été invité au siège des Nations Unies, de l'ONU Habitat. Le siège basé à Nairobi, au Kenya, dans un pays africain. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Monsieur le préfet, comme toujours, nous n'avons jamais songé à mettre notre commune. Jamais. J'ai pris soin sur moi de payer mon billet d'avion,
en business class, s'il vous plaît, pour partir de Douala à Nairobi et de Nairobi à... Pardon, de Douala à Addis et de Addis à Nairobi. J'ai également pris trois de mes meilleurs collaborateurs, y compris celle-là. Mademoiselle Stella et deux cadres de Prodefs qui nous ont été envoyés ici dans la commune de Korsama Premier. Donc nous étions quatre, nous sommes partis. C'est moi qui ai payé ces billets d'avion-là. Je voudrais que ça se comprenne au sein du conseil. D'ailleurs, vous n'avez pas vu une trace de paiement de quoi que ce soit dans les billets. Vous ne verrez pas ça dans vos yeux, parce que ça, c'est dans le compte 2023. Quand vous aurez examiné le compte 2023, vous ne verrez pas une seule trace d'un franc concernant ce déplacement. J'ai payé les billets d'avion, j'ai payé les frais d'hôtel, je les ai même donné quelques perdiens. Ils peuvent en témoigner. Donc, c'est important de le préciser et de savoir que, madame le receveur municipal, je ne vous ai pas demandé quoi que ce soit en matière de billets d'avion. Vous êtes témoin. Je le dis à haute intelligible, voyez, il faut que ça se sache. D'ailleurs, j'avais même souhaité que M. Tamini Pascal, qui est notre commandant, service technique, soit parmi nous aussi. Mais apparemment, il a peur d'entrer dans l'avion. Il a fini. Il n'a même pas les problèmes, mais il ne reste que son passeport. Allez voir faire le passeport à Yaoundé, il a fui. Il faut que vous sachiez tout ça, c'est important. Mais j'ai compris, c'est après que j'ai compris qu'il avait peur d'entrer dans l'avion. Il y a des gens comme ça. Il s'est dit que non, il peut regarder que ça se foutre. Donc, bref, monsieur le préfet du département du Mongo, nous avons été à l'ONU Habitat, à Nairobi, et c'est là que j'ai découvert. Que madame le ministre de l'Habitat et du développement urbain du Cameroun est aussi une grande dame, pas seulement au niveau du Cameroun, mais elle est aussi une grande dame au niveau africain. Et j'ai vu ce, je ne vais pas parler de tout ça ici maintenant, mais j'ai constaté qu'on lui avait réservé véritablement une grande place à ce niveau-là. Elle a intervenu et le Cameroun a été valablement représentée, parce qu'elle était là avec une forte délégation, accompagnée par le directeur général du FEICOM, le directeur général de Mipromalo, le directeur général de la SIC, et tous ces directeurs généraux-là sont allés aussi avec leurs principaux collaborateurs. Ça aussi, ça nous a marqué. Nous étions presque une vingtaine de personnes là-bas. Elle a été agréablement surprise de constater qu'il y avait le maire de Korsama Premier, qui était d'ailleurs le seul maire, comme je vous ai dit, invité ici au niveau du Cameroun. Donc, bref, tout a été dit pour que Korsama Premier se distingue à ce niveau-là aussi. Et elle a été émerveillée. Elle a été surprise de nous voir, monsieur le préfet. Il faut que je vous le dise. Elle a été vraiment agréablement surprise. Elle nous a d'ailleurs adressé des félicitations. Donc, je voudrais dire que, concernant le premier, vous devez être fier parce que vous avez été valablement représenté en Nairobi. Et ce n'est pas seulement ça. Nous allons conclure beaucoup de partenariats avec plusieurs entités au sein de l'ONU Habitat, parce que nous avons aussi constaté à ce niveau-là qu'il y avait des fonctionnaires internationaux camerounais, des partenaires camerounais, qui travaillent là-bas et qui nous ont vraiment prouvé leur patriotisme. Ils nous ont bien accueillis, ils nous ont orientés, et c'est ainsi que vous avez vu, ils ont demandé que nous prenions rapidement une délibération qui pourrait nous permettre de conclure ce fameux partenariat avec l'ONU Habitat et qui va certainement nous aider. Donc voilà, monsieur le préfet, ce que je voulais annoncer comme bonne nouvelle pour les différentes démarches que nous faisons. Et je demande donc à tous les conseillers municipaux qui nous accompagnent de continuer à accompagner nous aussi, à accompagner M. le Préfet, à ne pas nous donner beaucoup de travail en nous retrouvant dans la situation embarrassante dans la ville, mais plutôt en nous distinguant de manière positive pour qu'il n'y ait pas
demande chaque fois quand il parle de passant en premier, comme il le fait toujours, comme vous le voyez là, qu'il le fasse avec aisance et surtout avec la paix du cœur. C'est très important pour nous de continuer à mériter la confiance de Monsieur le chef du département du Mongo. Et nous voulons donc par là conclure en priant Monsieur le Préfet de transmettre à notre Président de la République, Son Excellence M. Paul Biya, nos sincères déférences, nos remerciements sans fin pour les actions positives qu'il ne cesse de poser directement et aussi indirectement. Directement, je ne peux pas le dire, bien sûr, comme vous le savez bien. Indirectement, ça se traduit par le fait que quand nous demandons une autorisation de sortir, par exemple, à M. le Préfet, pardonnez-moi, M. le Préfet agit instantanément, il transmet, et instantanément aussi, M. le ministre, le Mindebel, le fait de manière diligente et de manière instantanée. Ça aussi, je vous assure, M. le Préfet, c'est quelque chose d'extraordinaire, et je voudrais vous le dire honnêtement, pour que vous puissiez, à votre niveau, M. le Préfet, s'il vous plaît, transmettre également, M. le ministre du Développement, ministre de la Décentralisation et du Développement local, nos sincères remerciements à son niveau aussi. Je l'ai dit au niveau plus élevé, mais je dis que c'est à travers vous, et nous d'abord, ensuite, maintenant, le RDPC pourra continuer toujours dans ce hôtel de ville-là. Permettez-moi de m'arrêter ici. Vous connaissez bien l'adage, hein, bien connu. Il dit que la chèvre peut quoi là. Ça nous amène, ça nous donne l'envie de. Comme vous le voyez bien, je suis en train de fuir parce que habituellement, la loi dit que c'est le maire qui doit. Voilà. Bon, la loi, c'est élastique. C'est très élastique. Je finis par une anecdote que j'ai vue par un responsable du RDPC. Je ne trahis pas un secret. Si je donne peut-être quelques énigmes, vous pouvez comprendre. Il a été élève policier de Manengo. Donc, vous suivez mon regard. Qui nous a dit un jour qu'il a obtenu sa licence en droit. Et il s'est rendu compte que le droit était élastique. Il est encore parti à l'école, à l'université bien entendu, et il a obtenu une licence en sciences et cours. Et c'est par là qu'il a continué pour être ce qu'il est. Donc, la loi est très très élastique. Et il m'est très difficile de prononcer ce mot-là, que vous attendez que je prononce ici, en présence de M. le Préfet du département du Mongo, qui est là pour appliquer justement la loi. Donc, M. le Préfet, je voudrais vous remercier de m'avoir permis de m'exprimer. Je prie Allah qu'il fasse en sorte que les gens de la Nations Unies, là où je ne sais pas moi quoi, là, descendent enfin le prix Nobel de la paix à son excellence, M. Paul Biya, pour que vive notre cher et beau pays, le Cameroun. Je vous remercie et je passe la parole, le micro, avec la permission de M. le Préfet. Je passe le micro qui m'avait déjà donné pour ce que vous savez. Merci. C'est en nous priant tout simplement de bien vouloir vous lever pour que nous prions les conseillers de se positionner à l'extérieur pour la traditionnelle photo de famille. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Chère patrie, notre joie et notre honneur. L'occasion que vous nous offrez, nous devons dire que
Nous avons été sollicités par M. le maire pour évaluer les travaux de construction de l'hôtel de ville de Consamba Premier. Et nous nous sommes réjouis de constater que les travaux vont bon train. Et je pense, au regard de ce que nous avons pu apprécier, que dans 3 mois, la ville de Consamba, la commune de Consamba Premier pourrait disposer d'un joyau architectural. L'entreprise est à pied d'œuvre. Nous avons demandé que les équipes soient multipliées car ce chantier sur financement FEICOM devrait déjà voir son terme. Donc toutes les énergies sont mobilisées pour que notre ville ait ce bel édifice qui traduit les efforts des partenaires du gouvernement à améliorer la qualité de nos villes, de nos édifices et à travers cela la qualité des services rendus aux populations. Et dans un deuxième temps, nous avons pris part à la session du conseil consacré au vote et à l'adoption du compte administratif et de gestion. Nous avons, à travers cette occasion, fait une relecture de l'année 2022. Nous avons vu que la commune s'est battue malgré la rareté des ressources. Elle a pu pratiquement de moitié collecter dans un contexte caractérisé par l'inflation et de nombreuses crises. Elle a pu répondre à certains de ses engagements. Nous l'avons invité à redoubler d'ardeur pour que l'optimisation des recherches soit une priorité pour les prochains exercices. Et nous avons saisi l'occasion pour inviter les conseillers et l'ensemble des populations à vivre dans la paix, à tourner le dos aux discours de haine qui aujourd'hui font leur lit dans la toile et parfois veulent contaminer certains de nos populations. Bon, c'était une occasion indiquée pour que dans cette commune, le vivre ensemble, l'unité et la paix qui ont toujours été prônées ici, se poursuivent dans l'intérêt de la commune, dans la recherche de la prospérité et du développement intégral de la commune et du département du Mungu. Je vous remercie. Merci. Thank you.
Bien, comme toujours, un sentiment de satisfaction, un sentiment de fierté, un sentiment de quelqu'un qui se sent honoré d'abord par ses pairs, c'est-à-dire les conseillers municipaux, et ensuite par la hiérarchie, à savoir notre tutelle directe, la tutelle de proximité, monsieur le préfet du département du Mongo. Nous voulons donc dire une fois de plus merci à ce grand comité de l'État qui nous accompagne au jour le jour. Merci surtout aussi à notre tutelle indirecte mais directe, c'est-à-dire le Mindevel, qui de son côté apporte sa pierre pour l'édifice de notre arrondissement. Mais je voudrais surtout dire merci à tous les conseillers municipaux qui nous accompagnent. Parce que ces derniers font de gros efforts depuis 16 ans que nous sommes ici à la tête de cette commune. Nous n'avons jamais eu de problème de délibération ou de quelque résolution que ce soit. C'est un travail qui est fait. C'est les gens qui ne rient pas, qui ne badinent pas, qui nous fouillent et qui essaye de voir si réellement ce que nous avons fait est bien. Qui critique, mais alors des critiques constructives, parce qu'après les critiques, des propositions saines sont faites et on nous met en place un plan d'action assorti d'un chronogramme d'action pour essayer de remédier à tout ce qu'il peut y avoir comme élément nouveau. Donc voilà un conseil homogène, un conseil pluridimensionnel, un conseil qui regorge en son sein la jeunesse et puis l'âge mûr, un conseil qui regarde véritablement vers l'avant, un conseil municipal qui est ce qu'il est, à savoir un conseil qui ne réfléchit pas seulement pour le présent, mais qui se sert, n'est-ce pas, du passé pour les projections futures, afin que cette émergence tant souhaitée par tous et partout le soit d'abord dans la ville de Consamba Premier. Et c'est pour cette raison que nous leur disons merci. Je voudrais également dire merci aux institutions qui nous accompagnent. Nous avons des grands financiers qui nous accompagnent et nous ne pouvons pas nous taire quand des choses sont faites de la plus belle des manières. Donc voilà, en gros, ce que je voulais dire premièrement. Maintenant, à tout seigneur, tout honneur, vous ne pouvez pas faire réaliser une prouesse de cette envergure-là sans avoir un encadrement efficient et efficace. D'abord, par les deux adjoints que nous avons dans notre commune, qui sont là, matin, midi, soir, contre vents et marées, ils sont toujours présents. C'est pour ça qu'en Consamba Premier, il n'y a jamais d'absent. Ensuite, les collaborateurs qui font des hauts et des pieds, des hauts et des bas, pour pouvoir essayer de répondre aux préoccupations du père fouettard que je suis. Je ne suis pas le seul père fouettard. Celui qui est à ma droite et celle qui est à ma gauche le sont également. Il y a un père, il y a une mère. Nous tous, on est les pères fouettards et les mères fouettards. On frappe les enfants, on les tape même sur le faux, mais toujours à l'intérieur de la maison et jamais personne ne saura. Voilà un peu ce qui fait aussi la force d'un Consamba Premier. Voilà, monsieur le maire, quelles sont les pistes de solution pour le vent? Bien suivi le mot de la tutelle qui a demandé que nous puissions
très rapidement mettre en place un cadre idéal qui puisse nous permettre de nous asseoir. Et surtout, je le dis et je le répète encore, ce n'est pas le cadre qui manque, le cadre y est. Mais simplement, certains de nos collaborateurs, notamment au niveau de la communauté urbaine, qui se servent d'un passé révolu, qui veulent jouer sur, qui veulent tirer sur des ficelles que nous connaissons tous et qui ont tendance à penser qu'ils sont dans un, je ne sais pas comment expliquer cela, mais véritablement avec qui nous ne partageons pas la même vision. Nous avons une vision pour l'évolution de la ville de Consamba dans sa globalité, pas seulement la ville de Consamba pour nous. C'est cette vision-là qui nous pousse à aller de l'avant. Et c'est cette vision qui nous empêche, qui nous interdit d'ailleurs, de dire quoi que ce soit de mauvais à l'endroit de l'exécutif municipal de notre communauté urbaine d'un Consamba, puisque c'est le nôtre, c'est la nôtre, cette communauté. Nous faisons partie. C'est nous qui sommes les conseillers, les grands conseillers, comme on l'appelle. Aussi, il y a des grandes résolutions. Nous assumons, quelles que soient les circonstances, c'est nous tous qui sommes en train de réaliser ce travail-là. Mais ces enfants que nous avons, excusez-moi de les appeler comme ça, j'en ai quelques-uns qui ont l'âge ou les âges de mes enfants, donc ont tendance à penser que la communauté urbaine est à côté et les communes urbaines d'arrondissement, pas seulement Consamba Premier, sont à côté. Non, nous sommes tous ensemble et le maire de la ville n'a jamais dit et que sa communauté est au-dessus des autres mairies. Non, il n'a jamais dit cela. Il ne le dira jamais assez. D'ailleurs, il ne le dira pas, dans la mesure où il sait très bien que nous travaillons ensemble. Donc nous voulons nous départir de cette posture d'une sorte de nombrilisme. Je ramène ça, ce nombrilisme au niveau des communes, pour dire que je suis de Consamba Premier et je suis différent de la communauté urbaine. Non, c'est pour cette raison, je le dis et je le répète encore, que nous disons non à tous ceux qui veulent, qui pensent qu'ils peuvent surfer sur cette corde-là pour nous pousser à la faute. Non, je crois que c'est l'heure parce que nous sommes ensemble. Et d'ailleurs, vous avez bien suivi ce qu'a dit monsieur le préfet aujourd'hui, quand nous parlons de vivre ensemble. Nous devons comprendre cela et nous devons accompagner la mairie de la ville. Il est jeune, il vient d'arriver. Nous sommes vieux par rapport à lui. Nous avons 3 mandats, il est à son premier mandat et son exécutif également est à son premier mandat. Et ses collaborateurs sont à leur premier mandat. Donc c'est un challenge et nous devons absolument les accompagner par des actes concrets et non par des supputations, des on-dit, des gens qui veulent pousser les gens, c'est les uns et les autres. Non, je crois que c'est un mauvais jeu. Nous ne réfléchissons pas comme ça. Nous sommes sûrs de booster l'économie de notre pays, de notre ville, mais en donnant la possibilité à ceux qui peuvent payer les impôts et les taxes de payer. Ça ne sert à rien de surfer sur l'adage que nous connaissons tous, à savoir trop d'impôts tue l'impôt. Donc il faut faire payer ceux qui ont la possibilité de payer. Il faut créer tout ce qu'il faut comme opportunité, comme moyen pour permettre à ceux-là de payer. Mais ils doivent payer parce que c'est avec cet argent-là que nous pouvons en retour investir pour essayer de répondre à leurs préoccupations. Donc nous sommes fiers. Nous pensons que les populations nous comprennent. Et ces populations-là vont toujours nous comprendre, c'est sûr. C'est vrai que l'unanimité dans ce monde est une chimère. On le sait très bien. Mais la majorité, pour ne pas dire la grande majorité de la population de Consamba, Premier notamment, nous soutient et nous pensons que ce soutien va se manifester le moment venu quand il va falloir passer chacun en son âme et conscience devant l'urne pour dire qui est-ce que je dois choisir. Les faits, les vérités, les réalités palpables ou alors le vent. Monsieur le maire, si vous permettez. Nous qui avons invité monsieur le préfet, monsieur le préfet est dans son droit, dans son rôle, dans son devoir régalien de s'assurer que tout se passe très bien dans son département. Ce n'est pas seulement l'hôtel de ville qu'il a eu à visiter,
Il a visité également d'autres chantiers, vous l'avez vu même dans les plantations. Il est un préfet qui bouge, c'est un préfet qui ne désigne pas sur les moyens. Quand il constate qu'il y a une sorte de surplace, il va se rassurer, s'assurer, se rassurer davantage. Est-ce que ce travail qu'il voit avance comme il le souhaite? Et quand ça ne va pas, il dit clairement que ça ne va pas, il faut que ça avance. Et vous l'avez entendu aujourd'hui tonner très fort. Et c'est ça, le vrai chef. Un vrai chef, c'est celui qui doit s'assurer, qui doit vivre. Il ne veut pas seulement rester au bureau, peut-être voir les images à la télé, ou alors observer à distance, sans toucher du doigt les réalités, et comprendre également les réalités de l'entreprise. Il a pu, à plusieurs reprises, poser la question à l'entreprise. Est-ce que vous avez votre argent? Est-ce que vous avez un problème d'argent? Il a dit ça. L'entreprise a répondu non. Ils n'ont pas de problème d'argent. Donc, pour nous, nous pensons que c'est une très bonne chose d'être honnête et de répondre positivement. Le préfet a joué dans son rôle. Nous lui en sommes infiniment reconnaissants et nous prions de continuer cette approche-là, sur cette approche-là. Parce que quand il vient comme ça, ça booste le moral, non seulement de ses employés-là, même nous, qui représentons l'exécutif et les conseillers municipaux, le conseil. D'ailleurs, tous les conseillers municipaux étaient présents quand il est arrivé. Moi, je ne savais pas que les conseillers devaient arriver, mais ils sont arrivés et ça, c'est une très bonne chose. Nous avons tous ensemble vécu ce magnifique événement. Et nous l'implorons, nous le supplions de continuer toujours cette approche positive qui, manifestement, va nous permettre d'atteindre l'objectif recherché, à savoir l'inauguration de cet hôtel de ville qui se fera, si Dieu le permet, Inch'Allah, vers la fin de cette année 2023. Inch'Allah. Monsieur le maire, vous sortez d'une municipale, un chef de l'exécutif qui va en mission à l'étranger avec ses collaborateurs. Quelles peuvent être les attentes des populations par rapport à cette mission? Eh bien, c'est une mission importante. Je l'ai dit tout à l'heure dans la salle. C'est une mission hautement importante parce que quand on a des collaborateurs, il faut qu'on sache également que les collaborateurs doivent être à la hauteur de la tâche. Donc nous avons eu la chance d'avoir des collaborateurs qui ont été à la hauteur de la tâche et qui se sont distingués par une unité appelée Château Académie qui a lancé un concours. Et donc, une de nos collaboratrices a postulé. Nous l'avons soutenue et accompagnée. Et elle est sortie pionnière, pour ne pas dire première. Elle est d'ailleurs la seule qui a reçu le challenge dans toute la zone CEMAC, pas seulement au niveau du Cameroun. Toute la zone CEMAC, Ambassadeur Fayette reste demain la seule femme qui a réussi ce challenge. Vous venez avec moi que quand il y a un pareil événement, ce n'est que normal que le maire que je suis, l'exécutif municipal que nous représentons, les conseillers, le conseiller, mais les conseillers municipaux, tous se sentent honorés. C'est donc comme ça, pour cela que nous avons pensé qu'il faut continuer à encadrer les autres. Parce que voyez-vous, avant de demander qu'on donne de l'argent, j'utilise le terme barbare, qu'on le font certains, nous avons besoin dans un premier temps d'un renforcement de capacité. Parce que nous connaissons nos faiblesses. Et ça, c'est très important. Parce que si vous ne connaissez pas là où vous sortez, vous ne saurez jamais là où vous allez. Donc, si on renforce notre capacité, et si on donne de l'argent, ensuite, nous saurons comment utiliser cet argent. Mais s'il faut seulement nous dire donner de l'argent sans savoir comment faire avec cet argent, ce ne serait pas bien. Voilà. Donc, pour nous, nous sommes fiers, nous sommes contents et nous allons gagner un certain nombre de choses, mais nous ne faisons aucune promesse. Donc, ça m'a permis, nous ne faisons pas de promesses. Nous ne disons pas que nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Ça ne rentre pas dans notre jargon. Nous réalisons. Et vous verrez le moment venu. Oui, vous, monsieur. C'est bon. Je vais passer à la télé comme ça. Je suis une élite, pardon. Voilà. Fais ça. Tu vas monter ça haut.
Ah non, c'était super, c'était vraiment quelque chose de